Je m'appelle Poutan Linabimo. Je suis très content d'aller à l'école. Quand les élèves ont faim, il y a beaucoup de difficultés à l'école. Avant la cantine, les enfants ne venaient pas à l'école. Il y avait les abandons, il y avait les absences répétées. Et à partir de là, les taux de réussite étaient faibles. Et les enseignants aussi avaient des difficultés à l'école. Avec le projet STAR, tous les enfants mangent à midi et ils travaillent bien avec nous. Ils nous suivent très bien en classe, dans le travail. Ils sont vifs, ils répondent bien à nos questions et nous, les enseignants, nous sommes fiers. Nous avons eu des renforcements, des formations pour améliorer les réussites et nous travaillons bien avec eux aujourd'hui. Les repas offerts aux enfants couvrent au moins 50% de leurs besoins en énergie et la totalité des besoins en vitamine A et d'autres vitamines essentielles, notamment les vitamines du groupe B, la vitamine D et la vitamine K. Le projet STAR touche 138 écoles et vise à la fin, en septembre 2024, à toucher un peu plus de 66 000 élèves. Plus tard, je veux être maîtresse.